Bonjour, ici Corat Stéphane. Bienvenue à CS Country. Aujourd'hui, mes invités sont le duo Laura et Danny Jean. Et pour commencer l'émission, Laura va nous chanter la magnifique chanson « C'est la saison ». Mais c'est un sourire vers le lever du jour qui vient nous dire plus que des mots d'amour. Comment décrire ce qu'on ressent en soi quand on aime? Comme un oiseau qui revient pour l'été, oui, comme un ruisseau. Je me laisse emporter, c'est la saison. Oh, le monde est beau, tout renaît à la vie. Oui, le monde est chaud, tout autour de moi brille. C'est la saison qui redonne à la vie, c'est la raison. Pour comprendre d'où vient l'air parfumé, pour comprendre ce qui nous fait rêver, c'est bien facile quand la saison d'amour nous entraîne. Oui, c'est le printemps qui vient nous transformer. Ce sont nos 20 ans qui nous disent d'aimer. La joie de vivre ne nous quitte jamais quand on aime. Et c'était la chanson « C'est la saison ». Merci beaucoup, Laura. Hey, Laura, bienvenue à CS Country. Merci. Comment ça va? Ça va super bien. Merci. Parle-moi un peu de toi. Qui est Laura? Qui est Laura? Bien, tout d'abord, je suis native de la Beauce. J'ai roulé ma bosse, comme toute, comme toute personne dans la musique. Bien, j'ai habité autant dans la Beauce que dans la Montérégie. Fait que j'ai connu la musique dans la Beauce, puis j'ai connu la musique dans les festivals... Mais quand tu dis la Beauce, ouais. De quel coin tu viens? Saint-Gédéon. Saint-Gédéon. Ouais. Saint-Gédéon de Beauce. C'est dans le coin de Saint-Georges. C'est à côté de Saint-Georges. OK. Ouais. Puis après, t'as... Ben, j'ai commencé les festivals. Moi, j'étais très jeune. J'avais 18-19 ans. Mais pour raisons personnelles importantes, je m'étais retirée. Ça l'avait passé à la radio. Puis quand j'ai rencontré Danny, ben, il m'a comme redonné la piqûre de retourner sur les scènes. J'étais très, très nerveuse au départ.
mais avec son support, j'ai recommencé. Fait que si je comprends bien, avant que tu rencontres Dani, j'étais déjà dans le domaine. Tu étais déjà dans le domaine. Oui, mais c'est sûr que je faisais des bars, des événements. Dans le country ou? Dans le country. Toujours country? J'ai touché beaucoup au rock puis au blues, le temps de faire des bars et quelques événements. Mais le country, c'est sûr que c'est mes sources. Okay. En Beauce, on écoute du western, du country, de l'acadien. Puis avec Dani, j'ai connu l'acadien. Puis je suis tombée en amour avec ça totalement. Ah ouais? Puis t'as tombé en amour avec le chanteur? Ça a pris 2 secondes, hein, à peu près. Puis toi, Dani, Dani Jean, il vient d'où? Qui est Dani Jean? Il vient de Havre-Saint-Pierre, ici, pas loin. Un Cayen du Havre. Oui, ouais, je fais de la musique depuis... j'ai 13 ans que je fais des spectacles. J'en ai aujourd'hui 43. Fait que j'ai quand même un bon parcours. J'ai fait la Côte-Nord pas mal d'un bout à l'autre, l'île d'Anticosti compris. Puis en 2015, j'ai quitté cette île, puis je suis parti vers les grands centres. Puis j'ai intégré le circuit des festivals en 2017. Puis depuis ce temps-là, ben, on fait le circuit, puis on se promène un peu partout dans le Québec. Puis là, vous avez commencé à faire votre place, là, je veux dire. Ouais. Les gens commencent à vous connaître de plus en plus. Ben nous, on croit pas qu'on est connu de même, mais finalement, on se promène dans les régions, puis beaucoup de monde nous arrête soit au dépanneur, à l'épicerie, puis « Hey, vous êtes le duo country, l'oreille d'année, puis on vous suit. » Ça nous puis... surprend toujours. Là, c'est vraiment le fun, puis on découvre que c'est du monde qui nous suit... Dans les lives, tout l'hiver, c'est du monde qui nous a suivis, qui nous a encouragés beaucoup, beaucoup. Oui, parce qu'il y a eu la période là, de la pandémie. Période très dure, mais on a été bien encadrés de nos fans. Souvent, ils nous écrivaient en privé, « Faites-nous un live, on a hâte. » Puis c'était vraiment le fun. Oui. Mais on s'est fait un fun dans notre bulle artificielle. Puis le fait de revenir à cette île, ça vous a pas, je veux dire, dit « OK ». C'est 8h, 9h de route, on va aller chanter. Ça vous a pas arrêté? On a jasé, puis on était prêt à le faire. On s'enligne là, pour faire des dodos en route, pour acheter quelque chose pour ça. Okay. Moi, c'est sûr que c'est un peu loin de mes parents, c'est certain. Mon père nous suivait beaucoup dans le métier. Ça a été un coup dur de ce côté-là. Mais par contre, c'est tellement de belle vie ici que c'est ce qu'on voulait vraiment. Est-ce qu'on répond au monde beaucoup quand ils nous posent cette question-là, c'est qu'on s'émerveille du départ à l'arrivée du décor qu'on a. Oui. Qu'on parte dans la nuit avec une pleine lune ou qu'on parte au petit jour, le paysage est tellement beau que avoir un bon champ, on la sent pas. Par... Mais on est bien parce qu'on est plusieurs quand même qui on fait ce métier-là, puis on est... Tu sais, je veux dire, on est ici. Là. C'est pas parce que tu es à Montréal tu vas plus travailler. Là, tu sais, je veux dire, c'est... Mais non. Chacun son choix, puis chacun sa vie. Tu sais. Il y en a qui préfèrent travailler dans les grandes villes, puis rester dans les grandes villes. Puis, La gang de Montréal, ils viennent jouer ici aussi. C'est ça. Puis dis-moi donc, est-ce que côté album? Ça s'en vient. On va rentrer en studio très prochainement pour 2 bonnes chansons écrites de notre main, arrangées de nous autres. Puis on va les sortir tranquillement, pas vite. C'est ça. Oui, bien oui, OK. Pas mal de monde font ça. Alex et Caro, j'ai justement joué avec eux. Puis c'est ça qui, en fait, ça fait 4-5 ans qu'ils sortent des singles. Puis là, justement, cet hiver, ils vont sortir leur album. J'ai bien hâte d'entendre ça tout encore au complet. Puis c'est pas mal ça qu'on s'enligne pour faire. Puis là, tu vas enregistrer ça dans le... Chez Gravel, Yannick Gravel, dans La Naudière, oui. Ah, ça va être bon. Oui. Mais t'as fait un album? Mon premier album, oui, je l'ai fait avec Marc Saint-Hilaire dans le coin d'Actonville. Puis, c'est ça. Là, on a changé de style. J'aime ça aller voir chaque style des personnes. Puis, Beaucoup de personnes disent « Ah, t'es pas, tu chantes pas autant que Dani sur l'album. » Je ne suis que choriste sur cet album parce que lorsque j'ai rencontré Dani, ses chansons étaient déjà composées. Mais c'est là que je suis rentrée comme choriste sur l'album. Composé et choisi. Mais quelle chanson que tu as composée? Vous en avez une vite, là. Pense vite, là. Je pensais que c'était toi, Trip de char, puis Chanter, c'est toute ma vie. C'est mes 3 compositions sur mon premier CD. Puis là, aujourd'hui, tu vas nous interpréter, et je ne sais pas si c'est la chanson que je connais. C'est le bon temps où vous roulez. Oui. Est-ce qu'on parle de la même chanson? Ben, Daniel Gauguin a enregistré cet album. Ça fait quand même un bon bout, Daniel a fait ça, oui. Parce que si c'est la même chanson, Marie-Marie King a fait ça, puis il y en a plusieurs. Ah, il y en a beaucoup. Laissez le bon temps rouler en Louisiane, là?
Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça? Oui. Bon, ben Danny, écoute, je te laisse la place. Puis, c'est Danny qui va nous interpréter « Laissez le bon temps rouler ». Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Quand c'est bon à embrasser toute la soirée. Oui, ça fait trop longtemps. Ma nuit cependant. Ce soir, je te prends par la main. On va fêter jusqu'au matin. On va laisser le bon temps rouler. On va fêter toute la soirée. Viens t'en danser et chanter toute la nuit. On va laisser le bon temps rouler. Comme ça, ça me donne beaucoup de bonheur, ça me donne beaucoup de joie. Oh oui, seulement toi. Et quand viendra le temps de s'en aller, on laissera le bon temps rouler. On va laisser le bon temps rouler. On va fêter. Et chanter toute la nuit. On va laisser le bon temps rouler. On va laisser le bon temps rouler. On va fêter toute la soirée. Viens t'en danser et chanter toute la nuit. On va laisser le bon temps rouler. On va laisser le bon temps rouler. Alors, Laura, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à CS Country. Ça me fait plaisir. Danny, merci beaucoup. Merci à vous autres et à toute merci l'équipe. Merci à tout le monde. Je vous souhaite juste du succès. Merci. Et une belle carrière. Puis je suis certain qu'à un moment donné, on va se croiser à quelque part. C'est sûr. Et à vous, chers auditeurs, auditrices de CS Country, je vous dis à la prochaine. On va laisser le bon temps rouler. On va fêter toute la soirée. Viens t'en danser et chanter toute la nuit. On va laisser le bon temps rouler. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.